Cette histoire est une histoire vraie. Mon grand-oncle avait un ami qui habitait à Paris dans un bel immeuble avec un singe. Un petit singe. Un jour, le maître décide de décorer son salon avec de beaux tableaux. Il plante donc des clous avec un marteau aux emplacements qu'il a choisis pour suspendre ses tableaux. Et puis, avant de les accrocher, il sort acheter son journal et s'offrir un café. Une fois rentré chez lui, il n'arrive pas à ouvrir la porte du salon. Par le trou de la serrure, le maître aperçoit son petit singe qui fait une drôle de tête. Que s'est-il donc passé? Pendant l'absence de son maître, le singe a pris un clou, le marteau. Comme son maître, il a planté le clou, un deuxième, un troisième. Il a planté des clous dans les murs, et puis dans la porte. Impossible de l'ouvrir. Que peut-on dire sur cette histoire? Quelle différence y a-t-il entre le petit singe et son maître? Comme son maître, le singe était capable de planter des clous. Et il était peut-être même plus habile ou plus rapide. Mais le maître, lui, utilisait ses outils avec discernement pour servir ses finalités dans cette histoire, embellir son salon. Rien de tel pour le singe, comme si utiliser l'outil était une fin en soi. Ouais, une fin en soi. Dans ce cas, mieux vaut être incapable de manier les outils. Si le singe avait été un chat, il n'aurait pas fait tous ses dégâts. Le pire est la tendance du singe, maîtrisant l'outil, à s'en servir. Tant qu'aucune limite matérielle ne l'arrête. Toute ressemblance avec la réalité est totalement fortuite, y compris lorsqu'on remplace marteau par outil numérique ou n'importe quelle autre technique. Il est temps maintenant d'éteindre ton écran et de sortir te demander « Es-tu singe ?»« Où es-tu, maître ?»